Suncorp Stadium, traditionnellement appelé Lang Park, est une enceinte sportive rectangulaire située à Milton, c'est dans la banlieue de Brisbane. C'est un stade qui a eu beaucoup de grands matchs depuis sa construction. La balance peut vraiment pencher d'un côté comme de l'autre quand ces deux équipes regorgent de talent et d'expérience. Et avec moi dans la tribune de presse ce soir, Thomas Lombard. Temps idéal pour jouer au rugby ce soir, Thomas. Plus que quelques instants avant le coup d'envoi de ce match. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre, le match peut commencer. Coup d'envoi récupéré. Belle interception. Monsieur sait se servir de ses mains. Le ballon est contesté. Tulagi fait la passe. Belle passe. Farrell qui prend l'intervalle. Il a réussi à prendre le trou. Un bon contest, mais le ballon est toujours pour eux. George la joue vers l'arrière. Fort. Avantage à la ligne. C'est un en avant. Avantage en cours, ils peuvent jouer. Vous avez raison, Eric. Ses mains lui ont fait faux bond. White récupère ce ballon. Et ils reviennent pour une mêlée. Flexion. Mêlée. Jeu. L'équipe des Wallabies avec l'introduction. Elle est belle bataille, mais le ballon est disponible. Mais avec un beau rafond. L'équipe d'Angleterre. Bon contest. Young récupère ce ballon. Lâché. Un peu plus, c'était les urgences. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Et il trouve l'intervalle. Ah, il va nous falloir du temps pour reprendre son souffle. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Fait une bonne passe. Le ballon continue de circuler. Fort. Qui tente de trouver un intervalle. Et il fait circuler le ballon. Young glisse une passe courte. Beau travail des joueurs dans le rec. Ils n'ont rien lâché. Remarquable. Lâché. Le rec est formé, il doit relâcher le ballon. Ah, ils peuvent tenter quelque chose ici. Hein. Voyons s'ils parviennent à saisir leur chance. Et une percussion puissante. Le ballon disponible maintenant. Et il fait passer le ballon. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il essaie de le récupérer au contest. Il fait la passe. Ils sont en train de former un groupé pénétrant. Ballon porté efficace. Il va aller marquer en coin, ça va être juste. La prochaine. Ballon lent sur ce ruck. Et on dirait qu'ils ont récupéré la possession. Et il marque le premier essai de ce match. Quelle attaque puissante. On va suivre cette transformation. Et c'est un peu sur le côté, mais ça devrait aller. Et il a réussi la transformation. C'est vraiment un coup de pied bien frappé. Il n'était pas du tout évident. C'est reparti. Coup d'envoi bien capté. Attention à ce coup de pied à suivre. Ballon qui peut être récupéré. Un rebond favorable. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. L'équipe des Wallabies va pouvoir jouer ce ballon. Il revient vers l'intérieur. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Et le ballon est récupéré. Joli travail des avants. Récupération parfaite. Rebond favorable. Il récupère le ballon. Le public n'en revient pas. Ballon récupéré. La récupération du ballon récompense leurs gros efforts. Et il gagne du terrain grâce à ce maul. Au-delà des 22 mètres. Young la transmet. Farrell a bien attaqué la ligne. Belle avancée, ils y sont presque. Et il aplatit l'essai. Le poulet sait sûrement comment marquer des essais, n'est-ce pas?
ses efforts. C'est l'élément clé qui lui permet d'obtenir cet essai. Transformation qui ne devrait pas tarder. Et ce sont deux points supplémentaires. Très très bon coup de pied, vraiment rien à redire. Ils ont une bonne avance maintenant. Et le match qui reprend. Coup d'envoi bien réceptionné. Nouveau point de fixation. Les joueurs dans le ruck font bien leur boulot et conservent le ballon. Passe à hauteur. C'est la ligne des 50. Très belle accélération. L'équipe d'Angleterre, à mon avis, a conservé ce ballon. Il faut qu'il tienne bon, Eric. Elle est encore loin, cette ligne d'essai. Il fait la passe. Ça, c'est une belle course. Farid avance avec le ballon. Watson charge. Il a pris l'intervalle. Il envoie cette passe à hauteur. Kulagi qui sprint. Il y est presque, c'est la ligne d'essai. Et il s'arrache pour marquer, oui. Ouais, c'était un essai remarquable. À ce stade de la partie, ils ont une avance confortable. Oh, quel essai. Incroyable, magnifique. Ça joue bien, ils ont l'air d'être en forme en ce moment. Ouais, il a très bien joué. Il s'est échappé et personne n'a pu l'arrêter. Il était tout simplement trop rapide. Transformation dans quelques secondes. Allez, c'est un peu sur le côté, mais ça devrait aller. Et la transformation est réussie. Ouais, c'est plutôt un bon coup de pied, c'est bien frappé. Une avance confortable désormais. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi réceptionné. Essaye de rafuter, mais il est pris. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Un ballon qui ne sort pas rapidement. Tentative de drop de loin. Belle réception en l'air. Il percute. Hooper qui passe vers l'intérieur. Et il trouve une très belle touche. 21 points à 0 à la mi-temps. L'équipe d'Angleterre a très bien joué et dominé cette première mi-temps de la tête et des épaules. Et pour l'instant, la discipline est un facteur important dans ce match. Il frappe un long coup d'envoi. Coup d'envoi récupéré. Jolie passe courte. En force. White assure la passe. Bien tapé, bien frappé. Il récupère le ballon perdu. C'est un ruck. Oui, ils ont toujours le ballon. Jones trouve du soutien. Quelle mauvaise passe. Il se jette dessus. White s'empare de nouveau du ballon. Ah, bon sang, ils l'ont peut-être perdu. Passe le ballon. Joe qui enfonce tout avec cette écharpe. Ah, il va nous falloir du temps. Lâché. Le ballon est contesté. Le ballon n'est pas contrôlé, mais il est allé vers l'arrière. Oui, ça ressemble à un ballon perdu, ça, Eric. Il récupère le ballon après le rebond. Et il attrape le ballon au rebond. Malgré la pression, il a réussi une super interception. C'est remarquablement bien joué. Je crois qu'ils l'ont toujours. Et il avait parfaitement le droit de dégager en touche. C'est donc une touche. Le numéro 5, le 4. Il laisse le ballon rebondir, mais il le récupère quand même. Il charge, fracasse tout et avance. Bon contest. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Faudrait libérer les ballons plus vite que ça. Il charge droit devant. Essaye de casser le plaquage. May qui accélère. L'équipe d'Australie va obtenir le lancer en touche.
Lâché. Il essaie de le récupérer au contest. Le numéro 6 passe le ballon. Fort. Trouve du soutien. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Une belle accélération. Jolie passe pour son soutien. Il a mis un gros coup de rein. Attention, il cavale. Il est tout près de la ligne. Il y est presque, c'est la ligne d'essai. Il va, il marque. Ne jamais baisser les bras et au final. Il marque un formidable essai. Ah, on peut voir sa vitesse ici, c'est remarquable. Personne n'a pu l'arrêter. C'est une formidable passe qui lui a permis de réaliser cela. Il se prépare pour la transformation. C'est un coup de pied de très loin, hein, vraiment pas simple. Et cette transformation leur offre 2 points supplémentaires. Ah, ils sont en train de l'emporter facilement. Regardez l'écart au score. Engagement court. Coup d'envoi bien capté. L'équipe d'Angleterre a toujours la balle. Quel coup de pied. Rebond favorable. Il récupère le ballon. Ils ont peut-être perdu le ballon. Il transmet le ballon. Il attaque la ligne. La défense est maintenant mise sous pression. Il a récupéré le ballon. Récupération du ballon. Et ben voilà, il voulait récupérer le ballon, c'est chose faite. Et il a raté son coup de pied. Envoie sur la ligne des 22. Et il saute, il réceptionne le ballon. Une passe éjectée. Choisi la remise à l'intérieur. Une petite passe ici. L'ailier gauche en puissance. Fort. Le sprint. Ballon perdu, rapidement récupéré. Oui, il conserve le ballon. Heinz cherche des options. Il faut tenir. C'est le temps de la dernière chance. La charge pour casser le plaquage. À suivre, touche. On est maintenant dans la dernière seconde de la partie. Le deuxième ligne, le capte impeccablement. Ballon porté qui avance. Et ce Maul qui continue à vouloir avancer. White qui tente le coup. Plus que quelques minutes avant la fin du match. Le passe à un joueur lancé. 3 sur la défense pour essayer de franchir la ligne d'avantage. Il prend la direction du drapeau de touche. Essai aplati dans l'angle. Bel essai. Ils sont bien positionnés maintenant. Occasion de prendre 2 points supplémentaires. Bonne occasion d'évaluer ses capacités de buteur. Ce n'est pas un coup de pied facile. Drapeau levé. 2 points de plus. C'est allé droit dedans. Tire parfait. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. L'équipe d'Angleterre gagne cette partie. On a assisté à une excellente bataille. Ils ont dominé de bout en bout. Regardons les statistiques de possession du ballon. Elles ne vont que dans un sens, comme vous pouvez le voir.
Les fautes de main ont été beaucoup trop nombreuses. L'équipe d'Angleterre a tout simplement dominé ce match de la tête et des épaules et de bout en bout. L'équipe d'Angleterre remporte ce match. Thomas et moi-même vous disons au revoir, à bientôt.